Mais ce que je crois comprendre de la loi de protection en Allemagne, ce que je trouve intéressant, il me semble comprendre qu'on commence par des mandats qui peuvent être qui sont forcément très ponctuels, ciblés, qui sont courts dans la durée, aussi courts que possible, et si besoin, si le betreuer repère d'autres difficultés, s'il est là pour la santé de la personne et qu'il s'aperçoit qu'au niveau des factures, du financier, c'est pas top, il peut encourager la personne à demander plus, ou du moins un peu mettre, si ça va pas, on va prendre plus de protection, on va revenir voir la juge. Et petit à petit, aller vers quelque chose qui est plus englobant de la... Alors que c'est vrai qu'en France, si malencontreusement, vous avez un accident, ce jour-là, vous étiez un petit peu ailleurs, et que vous retrouvez à l'hôpital, on doit vous opérer, vous vous agitez... Ouh là là, le service ne sait pas comment vous gérer, on vous met une sauvegarde. Sauvegarde de justice en France, vous avez les comptes bloqués. Eh bien, une personne, elle s'est retrouvée comme ça 7 mois les comptes bloqués avant de retrouver la possibilité de disposer de ses comptes. C'est très très intrusif, c'est violent. Bon, c'est très rare que ce soit à ce point inadapté, mais ça peut arriver. Alors que dans le système allemand, je pense que les choses seraient venues d'abord pour le médical et petit à petit. Donc ça, je trouve ça intéressant ici. Et puis également, ce qu'on a entendu tout à l'heure de la juge, là, de Maria, je ne sais pas son nom. Enfin, et donc de l'autre partie, elle n'a pas tout ce qui est financement financier, tout ce qui est compte rendu de gestion. C'est laisser à des personnes tout ce qui est aussi les résiliations de loyer. Elle n'a pas à dealer avec ça. Et ça encombre les juges en France. Enfin, elles ont un mois de retard sur les réponses aux requêtes. Hein, à Castres, non. Enfin, c'est pas contre elles que je le dis, hein, mais c'est une réalité de travail. Et, voilà, et toutes ces parties juridiques, on les avait pas vues à Gérone, donc je trouve que c'est intéressant de un peu plus voir ça ici.